Bonjour François. Bonjour. Alors, tu es acteur pornographique. Principalement. Tu as fait combien de films ? Là, je crois que j'arrive à une bonne trentaine, maintenant. Mm-hmm. Ça fait combien d'années ? Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans. J'ai exactement commencé en janvier 2005. Comment est-ce que tu en es venu au porno ? Le porno ? On est venu à moi, en fait. Mm-hmm. J'avais déjà dans l'idée de le faire, mais j'ai jamais frappé à la porte. Ouais, ouais. J'ai attendu qu'on vienne me voir et ça tombait très bien. C'est tombé au bon moment. Mais je ne serais pas allé frapper à une porte. J'étais pas dans le... J'attends plutôt que les gens viennent. On m'avait dit que les acteurs porno, pour trouver leur nom, prenaient le nom de leur premier animal de compagnie et le oui. nom de leur rue. Ça aurait été... Félix Lagrave, en tout cas. Moi, ça aurait été Bobby Laveux. C'est pas mal. C'est pas mal, Bobby Laveux. Ça marche, ça ouais, marche. Ouais, ouais. Non, c'est mon vrai nom, mais je crois que je suis un des seuls à avoir gardé mon vrai nom. Mm-hmm. Et tu espères faire quoi après ? Alors, en ce moment, je prépare justement ce soir, c'est le thème de la soirée, un striptease. Ouais. Il y aura une vidéo projection, j'ai ma musique, j'ai mes costumes que j'ai préparés moi-même. Ouais. C'est mon univers. Et tu voudrais quoi plus alors, quitter le porno pour faire du striptease ? Alors, du striptease, là, ça c'est la première idée. Il y a un bouquin qui suit, une biographie qui va suivre. Je poursuis des choses dans la mode un petit peu. Ouais. Je continue à dessiner parce que j'ai bossé dans la mode moi avant. Ah oui, d'accord. Donc je continue à dessiner. Tu as des illustrations pour des t-shirts. Tu as une anecdote particulière sur un tournage ou... Mon dernier tournage. Ah non, j'ai une anecdote très, très jolie. C'était dans la forêt. Ouais. Et donc je baisse le mec. Là. Et le mec, c'était un doggy sale, etc. Je lève la tête et en fait il y avait une biche qui était en train de me regarder. Genre une petite biche et elle a disparu après. Et mon dernier tournage, une autre anecdote un peu plus trash, mais que je trouve assez drôle. Coupé, c'était fini. Je suis allé vomir. Voilà. Bon, merci François. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.